Voilà. Alors. Voilà, gloire au Seigneur. Hein, que Dieu soit béni. On va commencer notre réunion, on va prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. Hein, nous savons que c'est très très important de laisser une réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que nous savons que la bénédiction vient de lui, de toute façon. Hein, alors nous nous attendons à lui, que Dieu soit béni. Alors on va prier Dieu. On a reçu un message de l'ancien, d'El Toutou. Et puis il nous a appris qu'il vient de perdre son beau-frère. La semaine dernière, on a prié pour lui. Et puis là, il y a quelques heures, il vient de partir auprès du Seigneur. Donc on va prier. Hein, on va prier pour cette famille qui passe par le deuil. On va prier aussi pour tous les besoins qu'il y a autour de nous. Nous, chez nous, on a enterré aussi un petit bébé, samedi. C'était de la famille à nous, un cousin, si vous voulez. Un peu éloigné, mais c'était un cousin. Alors, voilà, ils ne sont pas bien aussi. Ça se comprend. Donc, on va prier pour eux. Et puis, cet après-midi, je sais qu'il y a eu aussi l'enterrement de ce jeune garçon aussi también. Donc, prions pour toutes ces familles hein, qui ont besoin de la grâce de Dieu, que Dieu puisse les consoler. Dans des moments comme ça, nous ne pouvons compter que sur la grâce du Seigneur, de toute façon. Hein, il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer tout ça. Donc je vais demander à Miguel qu'il puisse se mettre debout et à David también. Hein, qu'il puisse prier le Seigneur et présenter cette réunion à Dieu, prier pour ses besoins también. Hein. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Combien te dire, eh bien merci, merci de pouvoir nous réunir dans ce lieu pour te prier, t'adorer et te glorifier, Seigneur, si, parce Seigneur. Que tu en es digne. Mais à combien nous voulons, eh bien avant tout, te laisser ces instants entre tes mains. Seigneur, dans cette soirée, eh bien, nous comptons sur toi, parce que le seul qui sait diriger ces moments et ces instants, c'est toi, mon Sauveur. Et puis tu les as préparés depuis bien longtemps, mon Jésus. Donc tu connais tout, Seigneur. Tu connais les cœurs qui sont ici ce soir. Tu sais comment ils s'approchent devant toi. Tu sais comment nous sommes venus. Tu sais, eh bien, les prières qui sont cachées de chacun d'entre nous, Seigneur, et les besoins. Seigneur, à combien te demander, ô Dieu du ciel, que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun d'entre nous ce soir. Parce que nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur ta parole ce soir encore une fois. Seigneur, c'est elle qui prime d'ailleurs, Seigneur, ce soir. Et pour cela, nous voulons te présenter eh bien, ton messager. Celui eh bien, que tu prends soin de préparer. Seigneur, je t'en supplie. Oins-le de ton esprit, Seigneur, dans cette soirée. Qu'il puisse être, ô Dieu du ciel, l'instrument que tu as choisi. Seigneur, qu'à travers lui, ô Seigneur, la bénédiction puisse découler. Seigneur, nous comptons eh bien, sur ta parole pour qu'elle puisse s'adresser à nos vies, à nos cœurs, Seigneur, parce que nous savons qu'un mot de toi peut tout changer. Seigneur, je t'en supplie, parle-nous, parle à ton peuple ce soir, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous venons aussi eh bien, avec des requêtes. Tu vois, toutes ces familles qui passent par la séparation. Seigneur, là, eh bien, où nous ne pouvons plus rien faire, là où l'homme ne peut plus rien faire, Seigneur. C'est là où tu interviens, c'est là où toi tu commences, mon Sauveur. C'est pour cela que nous voulons te présenter bien tous ces cœurs déchirés. Seigneur, tu t'appelles le réparateur des brèches et des cœurs. Seigneur, je t'en supplie, va réparer ces cœurs en profondeur. Seigneur, je t'en supplie et que ton nom soit toute la gloire. Amen, mon Seigneur. Amen. Amen. Que tu puisses recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu, le témoignage, Père éternel. Oui. Bénis-nous, Seigneur, toute famille qui passe par séparation, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Agis dans ces familles-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma famille que tu bénis aussi, Seigneur. Bénis, mon Sauveur. Je te remercie pour tous les bienfaits, Seigneur, Père éternel mon Dieu. Que ce soir, nous laissons toute la place à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Dirige, Seigneur, même toutes choses qui vont être faites ce soir, Seigneur. Oui, Jésus, sur nos cœurs. Et touche les cœurs qui nous ont donné ce soir, Seigneur. Alléluia. Sois loué, sois béni, mon Dieu. Encore merci. Amen. Oui, tu peux le Seigneur, tu peux. Père éternel, à toi la gloire, mon Sauveur Dieu. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci car c'est un privilège de se trouver dans ce lieu ce soir, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous unir avec la prière des frères, Seigneur mon Dieu. Seigneur, avant tout, te demander toute l'approbation, que tu prennes toute la place dans ce lieu, que tu puisses diriger toutes choses, mon Sauveur Jésus. Mais Seigneur mon Dieu, aussi tu vois toutes ces requêtes qui ont été citées, toutes ces personnes qui passent par le deuil, par la maladie, toutes ces personnes qui passent aussi par la souffrance dans leur corps, Seigneur mon Dieu, mais aussi ceux qui n'ont pas fait cette rencontre avec toi, ceux qui passent par une souffrance spirituelle, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les renouveler ce soir. Seigneur, manifeste-toi avec puissance et gloire. Nous voulons avoir des victoires. Ne soyons pas troublés par toutes ces requêtes, car nous savons que tu peux bénir, tu peux agir.
Tu vas mettre ta main puissante sur chacune d'elles, Seigneur mon Dieu. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Tu riches toutes choses, Seigneur mon Dieu, au travers des cantiques, que tu puisses préparer les cœurs à recevoir ta bonne parole. Reçois-les comme un parfum agréable. Seigneur mon Dieu, merci pour ton serviteur qui s'est mis à part. Merci de le bénir, de le oindre de ton esprit. Oh, que sa bouche puisse être la tienne, mon Sauveur Dieu. Que tu puisses parler à travers lui, mon Sauveur Dieu. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout. Merci de prendre toute la place dans ce lieu. Que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Nous avons laissé toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous savons que la bénédiction vient de lui. Amen. Nous nous attendons à ce qu'il bénisse ces familles que nous avons présentées et puis surtout qu'il nous bénisse à nous aussi ici ce soir. Amen. Au travers de cette réunion, je sais et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a préparé des bénédictions d'avance afin qu'elles puissent s'accomplir ici ce soir. Amen. Lo creo de todo mi corazón. Gloire au Seigneur. Donc nous allons louer Dieu, chanter quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Amen. Et ensuite, eh bien, nous écouterons ce que le Seigneur a à nous dire à chacun d'entre nous. Saisissons ces moments que le Seigneur nous accorde. Amen. Qu'ils soient un sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. On chante le premier cantique. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, celui qui le connaît, il chante avec moi. Amen. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho, mucho poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de mi Jesucristo tiene mucho, mucho poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Levanta tus manos y alaba. Gloire au Seigneur. Je tiens à le redire parce que c'est important. Que problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver. La sangre de mi Jesucristo tiene todo, todo el poder. Y es por eso, aleluya. C'est pour cela que nous croyons que ce soir dans cette réunion, non pas parce que nous nous sommes venus, non pas parce que nous nous avons une capacité ou un pouvoir, loin de là. C'est parce que nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Et la Bible dit que là où Jésus se trouvait, quand il y avait des besoins, quelque chose devait se passer. Quelque chose de bénéfique devait se passer. Alors, on a pris la route tout à l'heure. Et puis on est tombé sur ce fameux bouchon de l'autoroute. Hein? On y a eu droit. Et puis après, il y a le téléphone qui a sonné, c'était Roy. Il dit, Tony, non, on est foutu, il pleut. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et puis ma femme, dans la voiture, elle dit, ben alors, s'il y a tant d'embûches, c'est qu'on va être grandement béni. Gloire au Seigneur. Alors nous croyons de tout notre cœur, en vérité, que dans cette réunion, les situations peuvent changer. Les prières peuvent être exaucées. Que nous pouvons faire des expériences avec Dieu. C'est ce qu'on disait encore dernièrement avec un jeune garçon. Il me disait, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil dans le Seigneur. Quelque chose, un mot, dis-moi quelque chose. Et puis je lui ai dit avec la plus grande des simplicités, je lui ai dit, je voudrais t'encourager à faire ta propre expérience. Ta propre expérience. Ne vis pas les choses de Dieu avec le témoignage d'un ou de l'autre. Non, ça t'aidera quelque temps. Ça touchera un petit peu ton cœur. Vous savez, quand il y a des témoignages qui sont compliqués, des fois, on peut pleurer. Ça nous touche. On a un cœur, c'est normal. Mais ça ne change pas nos vies. Mais tandis qu'une petite expérience que nous vivons, nous, il pourra venir le monde entier nous dire que ce n'est pas vrai, c'est nous qu'on l'avait fait. Ils pourront se mettre comme ils voudront. Que l'on dira non, je respecte ce que tu crois.
mais moi j'ai vécu une expérience. Il m'est passé ça, ça et ça et ça. Gloire au Seigneur. Alors on va écouter une expérience, vous voulez? Je vais m'appeler ma compagne. Amen, que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Bonsoir. Moi, je vais vous dire l'expérience que j'avais faite. Ça fait un peu longtemps. C'est que, en fait, je demandais, j'avais prié. J'étais chrétienne et mon mari n'était pas chrétien à l'époque. Et je demandais une prière à Dieu. Je demandais à l'époque, ben, il fumait avec tout ce risque que je vous donne aux plus anciens. Il fumait cette drogue. Et ça faisait un empêchement pour mon mariage. C'était un des empêchements que mon papa ne voulait pas. Et alors j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, toi tu connais tout ça, je voudrais que tu le délivres. Et Dieu ne me le donnait pas. Je dis Seigneur, pourquoi tu ne me le donnes pas? Moi j'en ai besoin maintenant. Et je sais que ça changerait toute chose parce que c'était le copain à mon frère. Et mon papa il savait tout. Et je demandais au Seigneur et il ne me le donnait pas. Et là, le jour où je m'attendais le moins, vraiment, eh ben, même si lui, il ne le voulait pas, parce qu'à l'époque, eh ben, il était dans son monde, et moi, j'étais une chrétienne, et j'avais demandé la délivrance. Et on se marie, et 3 jours, il me dit, Léla, il se passe quelque chose de très grave dans ma vie. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, eh ben, ça fait 3 jours eh ben, que j'ai complètement oublié de fumer. Et je dis, eh ben, gloire à Dieu. Dans mon cœur, j'ai rien dit à lui. Mais je dis, gloire à Dieu, parce que c'est ma prière qui a été exaucée. Mais là où je ne m'entendais vraiment pas, là où Dieu vraiment voulait. Et il a été, mais complètement délivré. Ah, mais et de ce jour-là, ben, il n'a plus touché. Malgré que lui, ben, il ne voulait pas être délivré, ben, c'était ma prière. Ah, et c'était grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Persévérez, et Dieu vous le donnera quand Dieu voudra au moment qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. S'il y a des fumeurs ce soir au milieu de nous, vous savez ce que c'est d'être dépendant. Vous savez, c'est compliqué. Même que nous, on voudrait arrêter. Des fois, la tête, elle veut arrêter, pero el cuerpo lo pregunta. C'est compliqué. Et puis là, il y a des combats. Combien de personnes combattent contre des addictions, que ce soit avec le respect que je vous dois, la drogue, l'alcool, les cigarettes. C'est compliqué, en vérité. Et puis moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est moi qui l'ai vécu. Je peux vous le dire de mes propres mots, c'est moi qui l'ai vécu. Du jour au lendemain, être délivré complètement. Alléluia. Ne pas avoir à combattre, ne pas dire non, il ne faudra plus que je fume, il ne faudra plus que je fasse ça. Ne plus manger des chewing-gums, tout le monde il a fait ça. Hein? Ou alors prendre 20 ou 30 kilos, ça je l'ai fait quand même. Mais en vérité que c'est vrai. Les combats, ils sont là quand on décide d'arrêter des addictions. Mais moi, je n'ai pas combattu. Le Seigneur m'a délivré. Il savait que j'étais trop faible. Le Seigneur connaissait ma faiblesse. Le Seigneur connaissait. Il savait que j'aurais jamais pu arrêter par moi-même. Alors, dans sa grâce, au travers d'une prière, le Seigneur s'est manifesté. Aujourd'hui, je suis là. Je suis chrétien. Je vous prêche l'évangile. Et puisque le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Et puis, c'est vrai, le conseil qu'elle a dit, laissez le Seigneur faire. Mais surtout, persévérez dans la prière. Continuez à prier, eh bien, pour vos compagnes, pour vos compagnons, pour votre famille, alléluia, pour vos enfants. Oui, continuez à prier, parce que la gloire de Dieu veut se manifester. Amen. Amen, que Dieu soit béni. On continue, on écoute notre frère Loïc nous chanter un beau cantique. Ben ouais, j'ai à cœur de dire un mot, parce que, justement, il parle de délivrance, et... Croyez-moi que j'ai été délivré de beaucoup de choses, de la drogue, alléluia, de l'alcool, des jeux, des bagarres. Et le plus dur que j'arrive pas à me séparer, c'est la cigarette. Mais grâce à Dieu, tout ça a été effacé sans forcer. J'ai été réellement délivré, sans manque, sans envie. Et maintenant, si quelqu'un va perdre un billet de 500 euros devant moi, que Dieu m'en ait témoin, je vais l'appeler la personne et lui dire, t'as perdu ça. Alors qu'avant, j'aurais rien dit, j'aurais pu. Et c'est ça que Dieu fait, il change les vies vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cherche Dieu.
cœur cherche Dieu de toute ton âme. Ta vie te changera, te donnera la vie éternelle. Et tes yeux s'ouvriront à la lumière de sa parole. Et tu ne seras plus dans les chemin et la vie. Crois en lui. Il est le chemin, la vérité, avec son grand pouvoir. Une nouvelle vie il veut te donner. Si Seigneur, car il est le chemin, la vie et la vérité. À la lumière de sa parole, et tu ne seras plus dans les ténèbres. Il te sera possible de connaître la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous avez entendu ce que dit ce cantique, hein? Et tes yeux s'ouvriront à la lumière de sa parole. Frères et sœurs et amis, querido hermano, alléluia. Ce n'est pas nous qu'on vient ouvrir les yeux de vos cœurs. Nosotros no podemos hacer nada. On ne peut rien faire. C'est la lumière de sa parole. Alléluia. Et c'est ce que nous venons apporter. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est nous qu'on témoigne. C'est nous qu'on chante. Aujourd'hui, le programme est fait ainsi. Mais je vous le dis de la part du Seigneur et de tout mon cœur. Demain, c'est vous qui faites la réunion. Moi, je compte sur le témoignage de Claudio. Moi, je compte sur la conversion des jeunes. Ah si, je compte sur le David, le Ken, le Mouge qui est là, vous toutes les sœurs qui sont là. Demain, les réunions changeront. Parce que nous, aujourd'hui, on vient de l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Samoritano también, comme vous, pas de problème. Hein? Mais on vient de l'extérieur, je n'ai pas grandi avec vous, moi, les garçons. Alors, si je viens vous dire mon témoignage, tu vas dire, il est beau, mais bon, il a été délivré, lui. Ah, oh, c'est bien, mais vous ne savez pas la misère que j'ai passée. En vérité, c'est vrai. Mais demain, quand ça sera les personnes qui sont autour de vous qui témoigneront, les jeunes filles qui sont là, les jeunes garçons, tous les niños, vos anciens qui sont là sur le terrain, quand ce sera eux, alléluia, qui viendront et qui vous témoigneront comme le frère Roy a commencé à faire, hein, que Dieu soit béni. Et bien là vous direz, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu changes les cœurs. C'est pas simplement l'animation d'une réunion, c'est pas juste dire quelques mots pour un témoignage, mais les vies sont changées. Que Dieu soit béni. Et vous savez ce qui change les vies? C'est la lumière de sa parole. Comme disait ce cantique, ce soir on n'a aucune prétention. Aucune prétention, alléluia. Mais on a un feu dans notre cœur. Alléluia. On a ce désir de vous porter l'évangile. De vous dire qu'il faut y croire, que tout est possible. Que Jésus change les vies. Que les jeunes garçons peuvent se convertir. Si, verdad, qu'ils peuvent laisser la vie du monde et accepter la vie de Dieu. Oui, c'est possible, alléluia. Et nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Amen. Alors on va prier le Seigneur avant que notre frère Miguel nous dise un petit mot et nous chante un beau cantique. Je vais demander au Claudio de prier le Seigneur, s'il te plaît. Venga.
gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Père éternel. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là présentes ce soir, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur Jésus, que tu vas bénir ce soir, tu vas toucher les cœurs, Père éternel. Je mets entre tes mains tous les serviteurs, Seigneur Jésus, tous les cantiques, toutes les paroles, tous les témoignages entre tes mains, Seigneur Jésus, que ce soir tu touches tous les cœurs. Gloire à ton nom, Père éternel. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir et un honneur, alléluia, de pouvoir eh bien, passer derrière ce pupitre et témoigner ou chanter, parce que c'est un honneur, on le fait pour Dieu, on ne le fait pas pour nous, hein. On n'est pas des artistes, loin de là. Hein. Et comme le pasteur l'a très bien dit, c'est dans mon cœur. L'envie que nous avons, c'est que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Amen. Vous savez, j'étais là et on a discuté rapidement avec le pasteur. Ce sont des frères qui ont été libérés, délivrés d'un quelconque vice, que ce soit de la drogue ou de la cigarette. Et moi, je suis jaloux. Je suis jaloux de cela, je lui ai dit au pasteur. Je suis jaloux parce que je ne peux pas le témoigner cela. Moi, je ne fumais pas. Je ne buvais pas non plus. Loin de ça, c'était pas... Ça ne me plaisait pas, tout simplement. Mais je pense que la plus grande délivrance, eh bien, c'est de moi-même, en fait. Je crois que le Seigneur, il est venu me délivrer de moi-même. Ah certes que j'avais pas ces vices-là, j'avais pas ces péchés-là. Mais combien j'en ai, Seigneur? Combien j'en ai? Vous savez, moi je suis venu au Seigneur, eh ben, j'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années. Oh, je manquais de rien, hein. Je roulais pas dans l'or, mais je manquais de rien aussi. J'avais une petite famille, la santé était dans le foyer, je travaillais, tant bien que mal, hein. J'essayais de gagner notre vie honnêtement. Donc j'avais besoin de rien, nécessairement besoin de rien. Mais j'avais pas le Seigneur dans ma vie. Alléluia. Et ça, c'est la principale des choses. Je n'avais pas la lumière dans mon cœur. Je pensais que, eh ben, pour moi, je pensais être un homme irréprochable, juste et bon. Mais non, loin de là. J'étais loin de la grâce de Dieu. Et je lui étais redevable. Amen. Donc, oui, si je peux vous le souhaiter ainsi, approchez-vous de Dieu. Amen. Il peut vous délivrer de tout. Si, Seigneur. De vos péchés et de vous-même. Alléluia. Amen. Je vais chanter un cantique avec l'aide des frères et avec votre aide si vous le voulez bien. On va fermer les yeux avec un esprit de prière. Chanter Ubein, Spiritum Ubein. Ah, vous m'aidez avec un esprit de prière, alléluia. Ubein, Spiritum Ubein. Ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Aleluya. Y ven, Espíritu, ven. Ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Tu fidelidad. Continue à louer le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. On va continuer à prier Dieu, à chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Encore un ou deux cantiques et ensuite, on écoute le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. Je vais dire à Roy dès qu'il aura fini. Noanda. Voilà. Gloire à Dieu. Bien. Laissez-moi le tranquille. Bon. Gloire au Seigneur. Allez, je chante un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Estamos aquí reunidos. Todo esperando una bendición de Dios y todo junto le rogamos.
al Padre derrama de su bendición. Oh, 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 ya ven. Ah, ah, ah. Caiga la barrera, que caiga la barrera, que caiga la barrera, que Dios está aquí. No puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar. Hay la presencia de Seigneur. Alors moi je le sais, hein? David il entendait le piano, le Giovanni il entendait la batterie, hein? Il avait tout semblé, en vérité que c'est vrai, avait bien fait pour vous, voilà, hein? Il va falloir que vous travaillez, hein? Et puis qu'on fasse les choses comme Dieu le veut, et puis avec la grâce du Seigneur, ça va se faire tout ça. Alléluia. En vérité que ça va se faire, je le crois de tout mon cœur. Pourquoi ne croyez pas que je ferai les réunions jusqu'à la fin de ma vie, hein? Vous prendrez le relais. Vous prendrez le relais, les jeunes garçons qui sont là, les moins jeunes, nos anciens qui sont là, les sœurs qui sont là, ce sera vous qui témoignerez, ce sera vous qui ferez les réunions, et je serai béni aussi avec nos frères et nos sœurs. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors on écoute notre frère Roy, amen, il nous chante le dernier cantique, et ensuite on écoute la parole de Dieu. T'as vu aussi, attention, comme ça. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu. A ti sea toda la gloria, Seigneur Dios. A toi toute la gloire, mon Sauveur éternel. Nous voulons te louer, Dieu. Tu es malheureux. Le péché te rend malheureux. Persuade que Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, ce cantique est une grande réalité.
Beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui en essayant de se persuader qu'ils sont heureux, en essayant de se persuader que tout va bien. Mais au final, au plus dedans de leur cœur, c'est les plus malheureux. C'est les plus malheureux. Quand ils se retrouvent avec eux-mêmes face à la réalité des choses, malgré qu'on a beau jouer des apparences, si vous voulez, on a notre fierté. Quand on discute avec des hommes, quand on discute avec des copains, on ne veut pas faire montrer des fois qu'on est malheureux et que c'est compliqué. Mais en réalité, quand on vient face à la vérité des choses, quand on vit sans Dieu, on est le plus grand des malheureux. Parce que quand il y a des situations dans lesquelles personne ne peut venir nous aider, estamos solo. Mais celui qui vit avec Dieu, eh bien, a un réconfort, a un rocher, a une sécurité, il a un refuge, alléluia, qui s'appelle Jésus. Et ce soir, nous voulons te le présenter. Le message de ce soir, il va être simple en vérité. C'est le message que tu attendais depuis de nombreuses années. C'est ce message, ce fameux message que tu disais, je veux que tu me parles, Seigneur. Amen. Quand tu venais aux réunions et que tu te disais, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu le mot de Dieu. Je veux que Dieu me parle ainsi, ainsi et ainsi. Eh bien, ce soir, Dieu va te parler. Amen. Alors, est-ce que tu t'es préparé? Je ne sais pas. Est-ce que tu as décidé d'accepter ce qui va être dit? Je ne sais pas. Mais quelque chose est sûr et certain, c'est que Dieu va s'adresser à ta vie. Et puis, ce dernier cantique que Roy il a chanté, ça a résumé un petit peu l'histoire qu'on va voir ensemble, si vous voulez. Quelque chose, hein? On va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu et ensuite je vous explique en quelques mots hein, ce que la parole de Dieu eh bien, a à nous dire ce soir. Et la lecture, elle se trouve dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9 et verset 1er. C'est le roi David qui parle. Et regardez la question qu'il va poser. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Ziba? Il répondit, oui, je suis ton serviteur. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? C'était la question qu'il posait le roi David. Et il disait en quelques mots, est-ce qu'il resterait encore quelqu'un qui n'ait pas eu sa part de bénédiction? Alors le contexte est un petit peu compliqué et on prendrait trop de temps à l'expliquer. Je vous conseillerais de lire la parole de Dieu. Amen. De lire cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9 et au chapitre 8 aussi. Et vous verrez que ce jeune garçon en question, il s'appelle Mephibosheth. C'est un nom spécial, hein? T'as compris, Carré? Mais il avait un grand besoin, mon copain. Je vous le dis de la part du Seigneur. Ses anciens, à lui, dont le passé avait commis de grandes erreurs et de grosses bêtises. Et de ce fait, depuis tout petit, il avait été mis de côté. Está lloviendo? Está lloviendo? Non, hein? Ah, tu me dis, hein? Que yo aquí estoy bien, hein? Écoutez, s'il vous plaît, je reste 10 minutes et on arrête et on prie le Seigneur. Mais c'est très important. Depuis son plus jeune âge, il avait été mis de côté dans une ville qui s'appelait Lodébar. Lodébar, ça veut dire terre de désolation. Et si vous voulez mieux, il vivait dans la désolation, dans la tristesse. Il était mis de côté. Et il croyait que pour lui, sa vie était finie, elle était fichue. Plus personne ne pouvait venir l'aider. Plus rien ne pouvait venir améliorer sa vie. Pour lui, c'était terminé. Mephibosheth était résilié à vivre, eh bien, dans le désespoir, dans la tristesse, dans la peine. Et puis là, je rentre dans le message directement. Et je m'adresse à toi qui es là ce soir. Toi qui attends ce fameux mot de Dieu depuis très longtemps. Dios te está hablando. Dieu est en train de te parler. Si tu crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait plus de solution pour toi, si tu vivais dans cette terre de désolation, si ton cœur était attristé, personne n'a pu venir subvenir à tes besoins, ni régler la situation qui te condamnait jusqu'à aujourd'hui. Sache
que le roi des rois, il pose cette question. Alléluia. Le Seigneur Jésus pose cette question. Et il dit ainsi, ce soir, à la Baronne, à qui? Alléluia! À Saint-Laurent-du-Var. Et il dit ainsi, y aurait-il encore quelqu'un? Gloire à Dieu. Y aurait-il encore gloire quelqu'un, alléluia, qui aurait besoin d'une bénédiction? Si. Y aurait-il encore quelqu'un qui aurait besoin de la grâce de Dieu dans sa vie? Or, si c'est le cas, s'il y a une situation incontrôlable et tout vida, s'il y a des problèmes familiaux qui durent depuis 20, 30 ans, que tu n'as jamais pu régler, même si tu aurais voulu, si, parce que en mi casa también, vers nous aussi, ça arrive des familles qui sont détruites. Les parents ne se parlent plus, les enfants pareil, les petits-enfants pareil, et puis on est foutus, c'est fini, les familles se brisent, se déchirent, et on croit qu'il n'y a aucun arrangement. Mais ce soir, alléluia, je suis venu ici pour vous annoncer ce message, alléluia. Ce message qui vous dit que Dieu est capable de réconcilier ce que le monde a brisé, alléluia. Des foyers que le monde a brisés. Dieu est capable de les rétablir au nom de Jésus. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Si, Dieu est capable de mettre la paix de nouveau dans les cœurs et dans les foyers, dans les maisons. Il faut y croire. Amen. Alors ce soir, je pose la question de la part du Seigneur. Ne me répondez pas, mais soyez sincères dans vos cœurs. Ça suffira largement. Ça permettra que Dieu bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un? Y aurait-il encore quelqu'un qui est passé à côté de toutes ces réunions qu'on fait ici? De toutes ces réunions qu'ils ont assistées? Que ce soit à Saint-Laurent là-bas quand il y avait le stade? Que ce soit à Villeneuve? Que ce soit chez nous à l'Ariane? Est-ce que quelqu'un encore est ici ce soir et qu'il est passé à côté? Gloire à Dieu. Eh bien, je voudrais vous dire que cette réunion est pour vous. Gloire à Dieu. Celui qui a été déçu des réunions jusqu'à aujourd'hui, amen, aujourd'hui amen, ça change, amen, alléluia. Amen. Non pas parce que c'est moi qui prêche, mais Dieu a décidé de t'appeler. Dieu a décidé de te parler, que Dieu amen, soit béni. Alors on va faire plus que dire que des mots ce soir. Amen. Parce que je pourrais faire le plus beau des messages. Le plus beau des messages. Mais si vous ne l'acceptez pas, ça ne servira à rien. Vous savez, souvent on met la faute à Dieu. On dit, Seigneur, la réunion est tabassine. Hein? Le pasteur, il n'a pas trop bien prêché. Il n'y a pas eu trop de cantiques ce soir. Vous voyez, on dit toujours des excuses. Parce que la réunion, on n'a pas été béni. Mais je tiens à vous le dire. Le simple fait d'invoquer le nom de Jésus, de prier Dieu, ça doit suffire à bénir vos vies. On n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de choses supplémentaires. Ce qui change et ce qui bouleverse les vies, elle est là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on a chacun notre style. Hein. Je crie beaucoup, je parle un peu fort. Des fois, je dis des bêtises. Mais, oui, non. Mais c'est ma manière. Certains frères ont des autres manières. Nous, on n'a pas moyen de bénir vos vies. On vient juste vous expliquer que le Seigneur, un jour, s'est adressé à nous. Il y a mi part et pour moi personnellement, un jour cette même question m'a été posée. Y aurait-il encore quelqu'un qui a toujours entendu parler de l'évangile et des réunions et qui est toujours passé à côté de la bénédiction? Y aurait-il encore quelqu'un? Et puis ce jour-là, moi j'ai accepté ce message. Il y a à peu près une quinzaine d'années de cela. J'ai dit, Seigneur, eh bien, si, j'ai toujours entendu parler de toi et j'ai jamais fait ma propre expérience. Mais aujourd'hui je veux que ça change. Amen. Et puis dans une réunion semblable à celle-ci, ne croyez pas que c'était une super mission, avec des baptêmes, des chapiteaux dressés, des milliers de personnes. C'était une petite réunion comme celle-ci. Mais je tiens à vous le dire, il n'y a pas de petite réunion. Parce que chaque réunion a son lot de bénédictions. Et si, parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il n'a pas ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et sa volonté, c'est de vous bénir. Amen. Alors y aurait-il encore quelqu'un qui a été livré à lui-même par des erreurs commises dans le passé? Mephibosheth, c'était ça. Lui, sa famille, des erreurs commises dans le passé. Et il a dû être enfermé dans cette terre de désolation, sans aucun espoir, sans aucune solution. Alors peut-être que je suis trop vague ce soir. Mais je ne veux pas que tu passes à côté du message de Dieu. Alors je vais aller droit au but. Y aurait-il encore des personnes ici, quand ils pensent à l'éternité, au ciel, à l'enfer, ils ont encore une angoisse en eux, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas.
y aurait-il encore des personnes qui, dans leur cœur, ils sont troublés quand ils entendent parler de l'Évangile? Y aurait-il encore des personnes qui sont condamnées par le diable et que Jéhovah nous reprenne? Alléluia! Y aurait-il encore des personnes que par leurs erreurs commises dans le passé, aujourd'hui n'osent plus prier Dieu? Ils se disent, les réunions, non, et pas mis. J'en ai trop fait, j'en ai trop dit. Depuis des années et des années, y aurait-il encore des personnes qui se sentent gênées quand on parle du ciel et de l'enfer? Eh bien, je voudrais te dire que si tu te sens gêné ce soir, si tu recules de te poser ces questions-là, eh bien, ce message est pour toi. Amen. Tu vis dans cette terre de désolation, tu as des beaux sourires, tu as une apparence terrible. Mais quand il est sujet de ton âme, de l'éternité, là, l'angoisse arrive. Les discussions, on ne veut plus les avoir. Les mots, on les met de côté. Et puis, on est saisi d'angoisse. Alors on regarde un petit peu sur les téléphones, on pense à autre chose dans les réunions quand il est question de cela. On essaye de se divertir pour pas entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Mais ce soir, je sais que vous êtes à l'écoute. Et je sais que le Seigneur vous parle. N'ayez plus peur, il y a une solution pour votre vie. Parce que la Bible dit que le Christ est mort sur la croix. Alléluia! Pour payer pour vous. Ne crois pas que tu pourras te racheter une conduite. Ne crois pas que par tes bonnes actions, tu pourras accéder au ciel. Le seul moyen d'accéder au ciel, le jour où Jésus viendra chercher son Église, eh bien, c'est parce que nous avons accepté sa parole. Amen. Accepter sa parole, il n'y a pas de piège, les frères. Mes amis, querido hermano, alléluia, famille, vous qui tous qui êtes là, jeunes, moins jeunes, il n'y a pas de piège d'accepter la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de clause comme quand on signe un crédit et un contrat. Vous avez vu, les crédits vous disent 200 euros par mois. Mais en bas, ils te disent, si tu manques une traite, tu rembourses 5 fois la dette. Ah, ça, on ne le voit pas. Hein. C'est les petites étoiles, David. T'as vu, tout en bas, écrit en tout petit, tout petit. Il n'y a rien de caché ici. Amen. Et ce soir, de la part du Seigneur et avec le plus grand des respects et sans offenser à personne, je viens vous annoncer le vrai message de l'Évangile. Amen. Ce message est celui-ci. C'est que celui ou celle qui n'a pas accepté le Seigneur dans son cœur comme sauveur et maître est condamné d'avance. Est condamné d'avance. Méphibosheth est resté dans son village, Lodébar, terre de désolation. Il pensait que c'était fini pour lui, qu'il n'avait aucun moyen d'être rétabli. Mais il s'est trompé, parce qu'un jour le roi David a posé cette question. Et ce soir le Seigneur, alléluia, pose cette question. Et on va prier le Seigneur, voilà. Y aurait-il encore quelqu'un? Gloire à Dieu. Y aurait-il encore quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas eu sa part de bénédiction? Eh bien, faites-lui savoir, dira la Bible, qu'il y a une bénédiction pour Amen, lui. Amen. Faites-lui savoir, alléluia. Alléluia, que désormais il y a accès au pardon des péchés. Il y a accès à la croix, au sacrifice Amen. De Jésus. Que Dieu soit béni. Alors on va prendre juste 2 minutes. C'était pas prévu. Bon. Ah si. Alors regardez un petit peu. Je vous promets que dans 5 minutes j'ai fini, mais j'attire toute votre attention, s'il vous plaît. Non pour lui, pour une seule. 5 minutes et cava. David, mets le chrono. Gloire au Seigneur. Écoutez. On va se mettre un petit peu en situation, si vous voulez. La Bible dit que celui qui était condamné par son péché. Désormais, il a une chance d'être sauvé. Parce que Jésus, il a fait grâce, il est monté à la croix, il a donné sa vie pour tous ceux et celles qui ne le méritent pas, mais qui veulent l'accepter. Moi, je ne le méritais pas, mais j'ai fait une bonne affaire, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Je vous le dis en vérité. Et puis, il y a un cantique qui dit ainsi, et il parle de l'enlèvement de l'Église. Ça va arriver! L'enlèvement de l'Église va arriver, et on ne veut pas être surpris. On ne veut pas que vous soyez surpris. Je ne veux pas que ma famille à moi soit surpris non plus. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile et qu'on fait des réunions semblables à celle-ci. Regardez ce que dit ce cantique. Hay alboroto en las calles. Algo ha pasado. Aleluya. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando.
Madre que busca un sus hijos muy desesperado. Escute bien. Parece que lo que predicaron hoy ha pasado. Alors ce cantique, je vous l'explique en quelques mots. Il dit, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. On se met dans le film, si vous voulez, hein. On rentre dans l'histoire. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Les parents courent dans les rues. Les hommes crient. Les femmes cherchent leurs enfants. Quelque chose de grand s'est passé. Et ce cantique dit, vous savez ce qui s'est passé? Ce que les pasteurs prêchaient vient d'arriver. Algo ha pasado. Et puis lui, c'est un chrétien. Celui qui chante ce cantique, il est chrétien, lui, il dit. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Lui, il est parti avec le Seigneur. En el lugar donde estoy, hay gozo y calma. Il dit que dans le ciel, lui, il y a le calme, il y a la joie. Mientras abajo en la tierra. Mais ici, en bas, sur terre, frères et sœurs et amis. Así gritan las armas. Tous ceux qui seront restés, qui ne partiront pas avec le Seigneur Jésus, ils diront ainsi. Porque me quedado, Señor, no lo sé. En qué te fallé, en qué te ofendí. Et c'est là que se pose la question. Que será de mi alma. Vous imaginez? Une fois que l'enlèvement de l'église est fait, les chrétiens sont avec le Seigneur dans le ciel. Et tous ceux et celles qui n'ont pas voulu accepter le message comme ce soir, ils diront « Porque me quedado en la tierra, Señor, no lo sé. En qué te fallé, en qué te ofendí. » Ils posent la question « Seigneur, por qué ?» Et ils se disent « Que será de mi alma ?» Et ils se posent la question « Qu'est-ce qui sera de leur âme ?» Mes frères et sœurs et amis, je vous en supplie, saisissez ces moments. Parce qu'une fois que l'église sera prise par le Seigneur Jésus, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est aujourd'hui que nous avons un moyen de salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut racheter nos vies. Alléluia. Alors, je pose la question et on prie le Seigneur. Y aurait-il encore quelqu'un qui aurait besoin de se repentir, qui aurait besoin d'une bénédiction, qui ne veut pas dire au Seigneur pourquoi? Porque Señor me quedado, Señor no lo sé. Si lo sabes, tu le sais pourquoi t'es resté. Parce qu'à la réunion de Saint-Laurent-du-Var, en plein mois d'août, quand il fallait presque, il allait presque pleuvoir, celle où il y avait le bouchon quand les pasteurs sont venus. Et oui, dans cette réunion, tu n'as pas accepté le Seigneur. Et maintenant, tu dis que c'est là de mi alma. Alors, la Bible te donne ce conseil. Écoute eso. Preocupas, dans lo mejor de tu vida. Para cuando llegue ese día, en el cielo tu puedas entrar. Gloire au Seigneur, préoccupate. Préoccupe-toi aujourd'hui du salut de ton âme. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Parce que la Bible dit que le salut est personnel. Alors y aurait-il encore quelqu'un, les 5 minutes, je crois, qui sont passées, hein? Si vous dites que oui, Marie-Mia, dites pas que oui. Alors on va prier le Seigneur. Alors. On va donner l'opportunité dans le plus grand des secrets. Koutian, d'habitude on fait des appels à la réunion. On dit tu lèves ta main et tu t'affiches, tu lèves ta main. Des fois Dieu veut ainsi. Mais ce soir, c'est différent. Le Seigneur met dans mon cœur, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, nada más. Je ne te demanderai pas d'élever ta main en signe d'acceptation de ce message. Mais réalise que le Seigneur revient bientôt et que cette réunion, elle t'a été offerte. C'est un cadeau que le ciel t'a fait. Et puis désormais, tu as le moyen, alléluia, de répondre au Seigneur. Y aurait-il encore quelqu'un qui ait besoin de sa part de bénédiction? Alors on va prier le Seigneur si vous voulez bien. Et si dans ton cœur, tu ressens le besoin d'accepter le Seigneur, tu le feras. Tu le feras. Amen. Je demande à Miguel qu'il puisse se mettre debout. Il va prier le Seigneur, alléluia, pour vous, pour tous ceux et celles qui ont écouté la parole de Dieu, pas mis, alléluia, también. Amen. On prie le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît.
Et ensuite, je vais demander à Claudio también de se mettre debout. Il priera aussi le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors vas-y, Miguel, prie le Seigneur. Seigneur, à toi revient toute l'honneur. Si, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Gloire, Jésus. Merci. Merci de poser cette question encore ce soir. Si, Seigneur. Qui a besoin de cette bénédiction. Oui, Seigneur, merci, oui, parce que tu sais t'adresser. Seigneur, alléluia. Merci pour ta parole, ô mon Sauveur, parce qu'elle est véritable. Elle est certaine et elle sait s'adresser à nous. Si, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour que tu témoignes encore une fois pour ce peuple ici présent. Pour les cœurs ici, Seigneur, tu les appelles au salut. Oh Seigneur, quelle grâce. Merci parce que le ciel est ouvert encore une fois, Seigneur, ce soir. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ce cœur qui se tourne vers toi. Mais Seigneur, je te prie surtout, surtout pour celui qui hésite encore, pour celui qui n'arrive pas à se tourner vers toi ce soir, mon Seigneur. Oh Jésus, je t'en supplie. S'il te plaît. Par l'Esprit du Saint-Esprit. Si, Seigneur. Convainc son cœur, Seigneur, je t'en supplie. Adoramos, Jesús. Bénis-le grandement, mon Christ. Alléluia. Tourner vers toi ce soir, si, qui puisse accepter ton invitation, Amen. Seigneur, que tu lui fais à travers sa parole. Oh Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'accepter ce si, soir. Seigneur. À ton nom revient toute l'honneur et oui, la gloire. Sauveur Dieu. Merci mon Christ. Merci. Amen. Amen. Je te remercie, Père éternel, pour tes paroles, Seigneur Jésus. Je te remercie pour les personnes qui sont concernées par ce message qui a été donné par travers ton serviteur, Seigneur. Elle le sait. Elle s'est reconnue dans ses paroles, Seigneur Jésus. Même si elle n'a pas levé sa main, Seigneur, elle ne s'est pas levée, Seigneur Jésus. Elle a accepté Dieu dans sa vie, Père éternel. Elle va s'en servir comme d'un. Toi la gloire, oh, Seigneur Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions dans cette soirée, Dieu. On va faire une expérience avec toi, Père éternel. Si, Seigneur. On va servir une expérience, Père éternel. Tu l'as rempli de ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu agis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu. Père éternel, tu couvres cette personne de ton sang. Tu le remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Amen. Tu chasses tout ce qui ne vient pas de leur vie. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas à ta gloire, tu le chasses de leur vie au nom de Jésus. Si, Seigneur. Tu les couvres de ton sang, tu nous remplis de ton Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Amen. Tu agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire au Binout aussi de prier le Seigneur. Vas-y, s'il te plaît, frère, en vérité, priez le Seigneur. Si, Seigneur, gracias por tu palabra, Jesús. C'est vrai, Christ. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur, pour nos vies, mon Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour les cœurs ici présents, Jésus d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton message, Seigneur Jésus. Si, Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs, mon Dieu d'amour. Merci Jésus d'amour au Père Céleste, parce que tu as permis tous les rangs encore ce soir, mon Dieu d'amour. Et tu vas bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vas nous fortifier au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus d'amour. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. On prend. J'ai fini, hein. 5 minutes, c'était bon, c'était fait. Ahora canto un cantique. Gloria al Seigneur. Amen. En plus, c'est le cantique de la prédication. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donde está Mefiboshet? Lo dice así en la palabra. El rey te llama. Donde está Él quiere llevarte a su casa. Aleluya. Él dice, ¿dónde está Mefiboshet? El rey trae una carta. ¿Y dónde está Mefiboshet? El Señor quiere llevarte a su casa. Y puis lui va répondre. Y le va a decir así. Yo soy Mefiboshet. Gloria a Jesús. Que ce soir tu puisses dire, moi aussi je suis là, Seigneur. Lui il a dit son nom, mais tu diras le tien. Il a dit, yo soy Mefiboshet. Era un niño pequeño cuando me dejaron aquí. Il a dit, depuis toujours j'étais laissé à l'abandon. Si yo no tengo a nadie, ¿quién ha hecho memoria de mí? Qui a pu penser à moi? Peut-être que tu te poses la question, qui a pu penser à toi? Il dit, si yo no valgo nada, si yo no tengo nada,
¿Quién ha podido acordarse? ¿Quién ha pu se rappeler de toi ici ce soir? El rey te llama. El rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. Il n'y a plus de reproches, alléluia. Désormais, la porte du ciel t'est ouverte. Alors, on va louer le Seigneur quelques minutes, mais je t'en supplie, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, ne pars pas de cette réunion sans avoir accepté le Seigneur dans ton cœur. Tu cours un grand danger. Tu es condamné par tes péchés passés. Aujourd'hui, Dieu te pardonne. Alléluia. Alors, croyons-le de tout notre cœur. Amen. Amen. Aleluya. Levanto mis manos. Y aunque no tenga fuerza, nous t'adorons, Seigneur. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
Alléluia. Amen, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour tout, Seigneur Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Que Dieu soit béni. Bendito sea Dios. Alléluia. Si, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Grâce à Dieu. Merci Seigneur pour chaque témoignage, chaque chant. À toi toute la gloire, Jésus. Brise les chaînes de ton cœur. Amen. Qui a gêné ce qui tient des afflictions, tu les brises. Oui, Jésus. Ouvre leur cœur à ta parole. Amen. Que leur cœur soit béni. Touche les cœurs, Seigneur, que tout âme se donne à toi, bénis tous les enfants qui échouent ce soir. Si, Seigneur. Guide nos vies, Seigneur, à toi sont toute la gloire et la louange. Amen. Amen, Christo Dios. Nous te louons, Seigneur. Si tu veux prier, tu as le droit aussi. Amen. Tu as aussi le droit de prier le Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que cette réunion a un grand prix. Elle a une grande valeur. Je le dis, hein. Vous allez comprendre comment je dis ça. Nous, on s'est déplacés, on a fait quelques kilomètres, on a mis 10 euros de gasoil dans la voiture. On a payé 1,50€ au péage, on est venu ici, on se sent bien ici. Amen. Et là, même si ce n'est pas pour une réunion, ça ne me ferait rien de venir à qui. J'ai mes copains, je suis bien avec vous, de verdad. Mais c'est tout bien, il n'y a pas de souci. Donc, à moi, ça ne me coûte pas beaucoup de venir ici. Cette réunion, ça ne me coûte pas beaucoup à vous, Miguel. Mais si vous savez ce que ça lui a coûté à Dieu, que cette réunion se fasse ce soir ici. Il a dû réfléchir et donner la vie de son fils unique. La vie de son fils unique, qui a dû être crucifié sur une croix à l'âge de 33 ans, sans avoir commis aucun des péchés. La Bible dit que Jésus s'est revêtu d'humanité et il est venu payer au prix de sa vie. Alors c'est pour cela que je vous dis que ces réunions ont un grand prix. Elles sont précieuses. On doit se les regarder plus que tout, ces réunions. En vérité que c'est vrai. Quelle grâce que nous avons, que nos enfants s'élèvent dans les réunions. Moi, les deux miens, ils sont là. Les vôtres, ils sont là. La sœur a prié pour les enfants. Que Dieu bénisse tous les enfants. Que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse les moins jeunes, que Dieu bénisse nos anciens, que Dieu bénisse toute votre famille entière. Que Dieu puisse exaucer vos prières selon la volonté de sa parole. Que la grâce de Dieu puisse se manifester plus que jamais ici. C'est le désir de nos cœurs. Mais moi, c'est juste ce que je veux. Je n'ai pas fait grand-chose pour que ça arrive. Mais Jésus a donné sa vie. Dans les évangiles, Jésus-Christ va dire « Personne ne prend ma vie. » Que valiente, hombre. Il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. C'est pas comme s'il n'avait pas le choix et qu'il avait dû le faire et puis qu'il était obligé. Jésus n'a pas été obligé. Il a dit, je la donne. Il a pensé à toi le jour où il s'est donné sur la croix. Et il a dit, tel jour, ils seront à Saint-Laurent. Et la parole de mon Père qui est dans les cieux sera prêchée, disait Jésus. Et au travers d'une réunion, je serai le moyen, disait le Seigneur, d'être ce pont, ce médiateur entre le ciel et eux. Alors je ne regrette pas, j'y vais et je me donne tout entier. C'est pour ça que ces réunions ont lieu. C'est pour ça qu'on est bénis comme ça. Vous croyez quoi? C'est pour ça que les larmes coulent de vos visages. C'est parce que Dieu bénit vos cœurs. Au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe.
Comment est-ce que j'ai été béni? Une émotion, Seigneur? Non. Visité par Dieu. Le Seigneur a un grand projet pour nous. Faisons tout pour que cela arrive. Amen. Alors on va prier Dieu et on va remercier le Seigneur pour cette bonne réunion. Vous voulez bien? On va remercier le Seigneur. Et puis ensuite on passe aux annonces. Alléluia. Mais avant tout, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Je vais redire à David, s'il te plaît, David. Mets-toi debout. Je remercie le Seigneur pour cette réunion, pour les décisions qui ont été prises, même si les mains ne se sont pas levées. Mais on sait que des décisions ont été prises. Venga David, ora le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors si désormais vient ici quelqu'un et ils disent, y aurait-il encore quelqu'un qui aurait besoin d'une bénédiction? Vous lui dites, t'es gentil mon copain, mais t'arrives trop tard. Parce que nous ici on est tous bénis. Amen. Alléluia. Et on a tous le Seigneur pour notre cœur. Que Amen. Dieu soit béni. Soyez bénis. Et glorifié. Amen. Alors on continue le lundi à faire des réunions ici. Alléluia, vous le savez, 20h30, on fait notre réunion. Mardi et mercredi, nous sommes à Bon Voyage, à Nice. On fait des réunions dehors aussi. Vendredi, on fait des réunions à l'église, à l'Ariane. Vous êtes les bienvenus. Et l'église de l'Ariane, c'est la vôtre. Hein. Amen. C'est important. Vous faites comme vous voulez. Quand vous pouvez, vous venez. Il y a encore de la place. C'est chez vous. Amen. Le vendredi, c'est à 20h à l'église de l'Ariane. Et le dimanche matin, notre culte d'adoration à 10h à l'église de l'Ariane. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on a remercié le Seigneur. On a pris la part de bénédiction. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Alors, on se dit à la prochaine réunion. Et entre-temps, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les garçons, ils ont mon numéro. Ils ont le numéro de Toutou Tambien, l'ancien, qui n'a pas pu être là avec nous. Hein, et on va continuer à prier pour cette famille qui, désormais, passe par la séparation Tambien. Hein, donc, on va continuer à prier pour eux. Mais téléphonez-nous. Posez-nous des questions, Amen. Dites-nous Amen. Comment ça se passe. Amen. Elle est où l'église d'Ariane? Je veux venir aux réunions. Voilà. Dieu. Toi, qui est quelque chose. Oui, Angelina, on priera pour toi. T'inquiète pas, que Dieu te bénisse, ma soeur. Cas, lundi prochain, on est là. Alors, soyez présents. Parce que ces réunions sont pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, comme David a déjà prié, ce soir. Je vais demander à mon fils, Erwan, de se mettre debout. Alléluia. Et de remercier aussi le Seigneur pour cette réunion. Béga Juan, papa. Dieu le bénisse. Prie le Seigneur. Hein, il terminera la réunion par la prière. Amen. Seigneur béni. Merci pour cette réunion, Seigneur. La casquette, papa. On a été béni pour cette réunion, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour tout. Tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis tous les gens qui sont. Alléluia. Bénis tous ces gens qui passent par le deuil, Seigneur. Oui, Jésus. Que je les garde entre tes mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine réunion. Je vais couper Amen. Les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.